Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Et si pour ce Noël 2019, nous souhaitions à l'humanité un merveilleux changement de cap? Quel budget avez-vous pour vos cadeaux de Noël cette année? Cette question s'empare des esprits dès que les impôts sont tombés, menaçant d'une fin d'année angoissante. Les cadeaux se sont démultipliés au cours du temps, assistés par des publicités intensives. Leur valeur marchande marque la valeur que j'apporte à l'autre, tout du moins quand j'ai l'argent pour contribuer à cette reconnaissance. Parce que lorsque je suis sans le sou, j'essaie de le démultiplier en plein de petits objets pour satisfaire l'appétit d'un Noël réussi. Qu'est-ce qui ne va plus dans ma vie pour amasser autant d'objets et de plaisirs instantanés et n'en être finalement jamais rassasié? N'y a-t-il pas quelque chose qui cloche dans mon comportement? Noël, Pâques, Halloween, anniversaire, fête, solde, promotion, Black Friday, enfin bref, parlez-moi d'une journée où je ne suis pas happé par la société marchande. Cet appel constant à la consommation est juste épuisant lorsque nous considérons que le SMIC est 200 euros au-dessus du seuil de pauvreté, que les prix fluctuent au gré des marchés sans se soucier de nos salaires, que l'État public s'écroule sous le poids d'une privatisation consentie, et que notre environnement soit dangereusement menacé minute après minute. Comment continuer de croire à cette réalité qui nous est proposée? Pourtant, un bon Noël, c'est tout simple. Je dirais même que c'est plutôt l'inverse du Noël qui nous est proposé. Un vrai réveillon, c'est arriver les mains vides, nus, des multiples facettes qui sculptent nos personnalités, de nos souvenirs, de nos désaccords, de notre carapace, et là, nous passons un moment inoubliable, en nous sentant vivants, présents, proches et emplis de joie. Et c'est bien là où réside le bonheur, et non pas dans l'accumulation frénétique d'objets vantant nos capacités financières. En revenant un peu à la tradition, nous découvrons à travers le monde que Noël, malgré ses différentes pratiques, se résume au partage et aux soins apportés à l'autre. Si nous allons chez nos voisins espagnols, Noël débute mi-décembre et se clôture le 6 janvier pour le jour des rois. Ce sont eux qui apportent les cadeaux aux enfants. Les maisons s'emplissent de gourmandises comme les mantecados, les polvorones roscos, biscuits au vin, pour partager avec la famille, les amis, autour d'un verre de Malaga ou autre douceur. Le 24 décembre, c'est le premier dîner, appelé la Noche Buena, où se succèdent fruits de mer, volailles farcies et confiseries, dont la star incontestée reste le touron, le fameux nougat. En Martinique, dès le début du mois, des réunions se tiennent au coucher du soleil pour chanter des cantiques. Nous partageons notre joie en mangeant et chantant sur des rythmes de mazurka, biguine et valse créole. Au niveau des boissons, nous aimons le traditionnel scrub, une liqueur avec les peaux d'orange ou le sirop de groseille du pays. N'ayant pas de sapin, nous coupons une branche de filao qui, une fois décorée, ressemble au vrai sapin européen. Au niveau extérieur, ce sont les cocotiers qui sont décorés. À la table du réveillon sont rassemblées familles et amis autour de pâtés salés, du boudin créole, d'acra, du jambon de Noël, avant de déguster le ragoût de porc accompagné d'igname, de riz et des pois d'Angol parsemés de lardons. En Russie, le grand-père Gel dépose les cadeaux la nuit du 31 décembre au pied du sapin, appelé sapin du Nouvel An. La légende dit que le grand-père Gel est l'inventeur de la neige et qu'il se déplace en traîneau accompagné de sa petite fille Petite Neige, qui apparaît comme une fée de glace en robe blanche. Une légende ukrainienne raconte également qu'il y a bien longtemps vivait une famille si pauvre qu'elle n'avait rien pour décorer le sapin. Les araignées de la maison, touchées par la complainte des enfants, tissèrent leur toile tout autour de l'arbre. Les rayons du soleil se reflétant dans les fils, le sapin parut alors recouvert d'or. Depuis, on n'oublie jamais d'accrocher une araignée décorative dans le sapin du Nouvel An. Le soir du 6 janvier, nous nous régalons de zakouski, petits fours chauds ou froids, de crevettes, cornichons et tamarins.
Nous continuons par une oie farcie aux pommes et enfin le dessert traditionnel, le koutia, un mélange de céréales, miel et graines de pavot. Il garantit joie, succès et prospérité. Les invités mangent tous dans le même plat, symbole de fraternité. Et nous boirons du thé tout au long du repas, pendant que la gorge des adultes brûlera par la descente de la vodka. Noël est une fête chrétienne qui s'est donc exportée à travers le monde, comme en Inde ou bien en Afrique, suivant le rythme des colonisations et des mouvements de population. En Chine, par exemple, la population chrétienne ne représente que 5% de la population et n'a pas permis à cette fête d'émerger au soleil levant, même si nous constatons une occidentalisation des mœurs et des Pères Noël qui apparaissent dans les vitrines des magasins. Mais bien avant les religions, cette période représentait la fin du cycle généreux de la nature, son entrée en sommeil. Il s'agissait donc de la remercier pour l'abondance des récoltes, puis célébrer la nouvelle année en espérant qu'elle soit aussi fructueuse que la précédente. À travers l'évolution de cette célébration de la vie, nous avons petit à petit modifié l'objet initial de cet événement. Nous sommes passés de vénération en vénération et de mœurs à d'autres mœurs. De la sacralité du vivant de la nature, qui nous offrait abondance, joie et prospérité, nous nous sommes progressivement détachés de ce premier lien sacré et physique pour nous rapprocher de divinités spirituelles. Les religions ont façonné de nouveaux mœurs autour de cette fête, y assimilant le même principe de mort et de renaissance que celui de la nature, mais cette fois-ci attribué à un membre de la communauté humaine, créant une première scission irréversible avec la nature et le lien symbiotique de l'homme avec celle-ci, le lien qui devait lui rappeler son horizontalité avec le vivant. La dernière phase de modification de notre perception de Noël est apparue avec l'énergie pas chère, la technique, le consumérisme, dématérialisant un peu plus l'idée même de ce que représentait Noël au tout début. Uniquement basé sur la consommation, Noël s'est progressivement démuni du message initial qui était de célébrer le lien du vivant avec le vivant, et non pas comme aujourd'hui, le vivant avec le matériel. Les enfants sont submergés de cadeaux inutiles et souvent toxiques, vive le plastique, et ne voient Noël que dans l'attente de ne pas être déçus par leurs cadeaux. Pourtant, le rassemblement autour de ce que nous offre la vie est essentiel et commun à l'ensemble de l'humanité. Le précipice vers lequel nous roulons à toute vitesse, qu'il s'agisse du gouffre écologique, de la faille économique ou encore de l'abîme social, ne sont que le résultat de cette modification de mœurs et de croyances. Nous avons fondé un monde à la hauteur de nos désirs matériels, oubliant les principales règles qui régissent notre nature humaine, c'est-à-dire nos besoins vitaux, et en tant qu'être social, le lien et le partage sont essentiels. Aussi en cette période trouble, et pour terminer cette petite préparation avant le repas de Noël, débarrassez-vous de toute contrainte économique et financière. Rappelez-vous que votre simple présence, ici et maintenant, de manière naturelle, dénuée de toute facette d'ajustement, est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vos proches. Ajoutez-y un bon petit plat que vous aurez préparé avec amour, et pourquoi pas une petite photo de vous, où vous aurez pris le temps d'écrire sur le verso quelques mots qui vous tiennent à cœur, sur le lien qui vous unit aux autres. N'oubliez pas de contempler l'éclat scintillant des yeux des enfants, leur douceur, leur vérité sur le monde dénué de préjugés. Reprenez une bouffée d'insouciance et de joie. Si nous reprenions conscience du merveilleux qui réside dans le lien que nous avons avec le vivant, alors oui, l'humanité changerait de cap. Pour la semaine prochaine, Monsieur Green vous écrit un petit conte de Noël qui, je l'espère, vous permettra d'appréhender 2020 avec toute l'énergie et l'enthousiasme que nous devons au simple fait d'être vivant. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? Oh! 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 C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça. Quoi? Green, oui! Green, comment? Oh, super green! Aussi green que ça peut être. Green, 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 green,